Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Ferrara. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire, vous revenez d'un déplacement de 4 jours en Corse qui, je vous le souhaite, ne sera pas le dernier. J'ai regretté que vous n'ayez pu visiter la circonscription dont je suis l'élu et sa ville centre Ajaccio, capitale régionale, où je vous aurais accueilli pour échanger à propos de la gestion des déchets. Même si cette compétence échoit à la collectivité de Corse, nous le savons. En effet, c'eût été pour vous une expérience enrichissante, compte tenu de l'engagement du pays ajaccien dans la recherche d'une solution technique, efficace et pérenne aux crises itératives des déchets qui frappent notre territoire. Cette problématique qui concerne toutes les régions, plus aiguë chez nous, du fait de l'insularité et de l'absence de choix qui perdurent. En effet, depuis 2015, lorsque je présidais la communauté d'agglomération, rien n'a avancé. Le projet d'une unité de tri et de valorisation que nous portions, conforme à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, chère à votre prédécesseur, Madame Royal, projet au service d'un tiers de la population de l'île, permettant la réduction d'au moins 50% de la part qui va à l'enfouissement, ce projet est au stade de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il aurait pu être opérationnel dès 2019. La prochaine crise se profile en juillet, en l'absence de solution à court terme, compte tenu de l'urgence, à savoir la saturation et la fermeture prochaine des 2 centres d'enfouissement, des centres de stockage, comme l'on dit pudiquement. Je ne me résous pas à l'exportation des déchets sur le continent ou vers la Sardaigne pour y être incinérés ou pire, enfouis. C'est une non-solution, pourtant nous nous y préparons. Quelle est votre position, Monsieur le Ministre, sur la gestion des déchets, problématique qui dépasse largement le cadre de l'île, sachant que la nécessité du renforcement du tri sélectif à la source fait l'unanimité, sachant que, quels que soient les moyens engagés dans cette voie, cela prendra du temps, de l'argent et qu'il restera toujours des déchets ultimes. Que préconisez-vous à court et moyen terme? Thermolyse et valorisation énergétique, poursuite de l'enfouissement à tout craint ou autre? Êtes-vous prêt à initier une réunion des acteurs régionaux concernés, collectivités de Corse, intercommunalités, pour définir une ou des solutions techniques efficaces susceptibles d'être mises en place le plus rapidement possible avec le concours et la diligence des services de l'État? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Jacques Ferreira, vous l'avez évoqué, je me suis rendu en Corse hier et avant-hier pour faire un point sur l'ensemble des dossiers relatifs à la transition écologique et solidaire. Bien évidemment, nous avons longuement évoqué ce sujet crucial des déchets sur l'île, qui est une situation préoccupante, héritée malheureusement, il faut le reconnaître, de nombreuses années d'inaction. Mais moi, je ne cherche pas les responsables. Comme vous, je vais essayer de trouver les solutions. Le dialogue avec les élus du territoire a permis d'esquisser une sortie de crise et j'ai confié à la préfète de région la mission de la mettre en œuvre. Pour résoudre cette crise, il y a d'abord un consensus fort sur la priorité absolue à donner au tri sélectif où la Corse a encore, malheureusement, beaucoup de retard. Ça n'est pas, comme vous l'avez évoqué, parce que le sujet n'est pas de la compétence de l'État, que nous allons rester à l'écart et indifférents sur ce sujet-là. J'ai donc décidé que l'État accompagnera notamment les intercommunalités dans la mise en œuvre de solutions pratiques, y compris avec des financements de l'ADEME, à condition que les résultats puissent être mesurables et que des objectifs clairs soient pris. Par ailleurs, tout le monde s'accorde sur le fait que la Corse, comme vous l'avez dit, n'a pas vocation à exporter ses déchets sur le continent et qu'elle doit trouver des solutions à long terme aux déchets résiduels. Plusieurs options sont possibles et il ne doit pas y avoir de tabou pour produire soit de l'énergie dans la valorisation, mais je ne veux pas ici me substituer aux collectivités dont c'est le rôle de décider quelle est la meilleure option, mais sans en mettre aucune de côté dès lors qu'on réduit le volume. Et je pense effectivement qu'il ne faut pas s'interdire que sur les déchets ultimes, ils puissent participer du bouquet énergétique. En tout cas, je suis convaincu, comme la Corse l'a fait sur les sacs plastiques, que la Corse peut enfin prendre en charge, avec l'aide de l'État, ce sujet crucial. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.